J'ai l'âme chevaleresque, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire vivre la trépidante aventure de Dragon Quest, la quête de Dai. Dai no Dai Boken! Il était une fois un jeune garçon nommé Dai. Il vivait sur une île étrange peuplée de sympathiques monstres, et il avait un rêve. Mon grand-père m'a raconté qu'il y a longtemps, un brave chevalier a combattu le roi des démons. Bien entendu, une équipe de combattants accompagnait le héros. C'est alors que tous les monstres vivant sur Terre devinrent gentils et paisibles. La plupart d'entre eux vinrent vivre sur une petite île. Cette île, c'est Demrin. La voilà. Et c'est justement ici que je vis. Allez, mon nom à moi, c'est Dai. Il paraît que, quand j'étais bébé, le bateau sur lequel j'étais a coulé. Dans peu de temps, je serai un vrai héros, et je protégerai tous mes amis de Demrin. Enfin, j'y crois. Sombre crétin! Hé, mes grands-pères braves, ça va pas? C'est toi qui va pas! N'arrête pas de jouer au héros au lieu de travailler tes sorts de magie! Je te signale que c'est moi qui t'ai recueilli, et c'est mon devoir de t'éduquer. Héros par-ci, héros par-là... Pense un peu à étudier la magie, au lieu de rêvasser! Mon grand-père a beau dire, je veux être un héros. T'es pas d'accord, Gom? Tu verras. Avec moi, tu deviendras un grand mage. Et tu pourras assister à un héros dans sa quête. Ouais! Je t'apprendrai plein de formules magiques. C'est bien gentil, mais... J'ai jamais réussi à sortir le moindre sort correctement. Toi au moins, Gom, tu me comprends? Je vais vite devenir un héros. Un jour, les monstres devinrent singulièrement agressifs. C'est à ce moment-là qu'un personnage très étrange fit son apparition. Alors comme ça, tous les monstres de l'île sont devenus agressifs, n'est-ce pas, Dai? Mais vous êtes qui? Et vous connaissez mon nom? Ne vous en faites pas. Je vais régler ça en deux temps, trois mouvements. Mais il va... T'en fais pas. Laisse faire le maître. C'est un artiste. Le maître? Voilà. Et maintenant, l'invocation qui détruit le mal. Waouh! Pas incroyable. C'est un miracle. Mais qui êtes-vous? Pardon, quel risque je fais? Je ne me suis pas présenté. Voici ma carte. Hein? Aban Junior, troisième du nom. Mais vous pouvez m'appeler Aban. Je suis formateur de héros. Formateur de héros? Dai fut donc entraîné par Aban. Et ce, jusqu'à ce que le mal incarné,
décida de faire son grand retour. Hein ? Un tremblement de terre ! C'est certainement le volcan de l'île qui entre en éruption ! Non, ce n'est pas le volcan. Ce tremblement. Quelqu'un essaie de franchir la barrière que j'ai créée contre le mal. Quoi ? Mais qui fait ça ? Abruti ! C'est forcément l'armée du roi des démons ! Qui d'autre ? La barrière magique de Maître Aban sert aussi à empêcher les démons d'entrer ! Personne ne pourra la pénétrer ! Qui possède assez de force pour ébranler ma barrière de protection ? Non ! Pas lui ! Il approche. Je le sens. Un être maléfique va bientôt arriver. Oh non ! Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive ? Je sais qui c'est ! C'était la pire chose qui pouvait arriver. Alors, te voilà ressuscité, roi des démons. Roi des démons ? Adorar, le roi des démons. Un combat acharné opposa Adorar et Aban, au cours duquel ce dernier périt. C'est à ce moment-là que Dai décida alors de montrer tout son potentiel. C'est pas vrai. Maître Aban s'est sacrifié pour nous, pour que nous puissions survivre. Que faire ? Le sort de protection de Maître Aban m'empêche de bouger. Et si on ne fait rien, son sacrifice aura été inutile. Les flammes finiront bien par vous consumer une fois le sort de protection estompé. Jamais. Jamais je ne me laisserai mourir sans rien faire. Hein ? Il essaye de briser Astaron, le sort de protection. Quoi ? Mais tu te perds ! Il est dans les flammes de l'enfer ! Il a sa mort ! Hein ? Sans défini le Dai ! Le Dai ! Dai ! Il vient d'utiliser de la magie ! Et pas n'importe laquelle! Quelle puissance! Il a éteint mes flammes! Tu t'en fous! Et tu fais du poids, tu vas voir! Nya! Comment il fait? Pour être aussi fort? Hein? C'est sa bombe! Quel est donc ce mystérieux symbole sur le front de Dai ? Adrar, va-t-il succomber face à la fureur de notre généraux ? Ça vous titille, pas vrai ? Eh bien, maintenant, foncez à la suite ! Et partez-vous aussi à la recherche d'aventures encore plus fabuleuses !